Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc, dans la vidéo, nous allons voir les types électrodes. Donc, avant de commencer le chapitre 2, électrodes et les pêles électrochimiques, je vais vous donner les types d'électrodes. Vous ne saurez pas comment séparer les types d'électrodes. Vous ne saurez pas, c'est-à-dire que vous choisissez dans la chaîne électrochimique, le compartiment anodique et le compartiment électrochimique. Cathodique. Donc, de la vidéo, c'est-à-dire, nous avons le choix de le compartiment anodique et le compartiment cathodique floca de la chaîne électrochimique. D'accord Donc, puisque la chaîne électrochimique, ou bien l'appel électrochimique, est caractérisé par un symbole. D'accord Donc, le symbole flocat de le la chaîne électrochimique. Donc, en général, on a des compléters les types des électrodes. D'accord D'or, on la vidéo. Les vidéos, on dit comme d'autres types. Donc, rappel, type des électrodes. Donc, on va commencer par électrode de premier type ou bien premier espèce. D'accord Donc, soit quand on le premier type ou bien premier espèce. Donc, par définition, il s'agit d'un électrode constitué par un métal M, d'accord Plongeant dans une solution d'un de ce m Mn plus Nx moins. donc on a un métal M il y plongé fois deux la solution contient la forme ox Mn plus d'accord donc par exemple un a une lame de fer plongée dans une solution contient les ions Fi du plus dans ce cas on dit, c'est un électrode de premier type. Donc, fe plus n'existe pas. Donc, l'icône se forme de sel, Par exemple, FEO, c'est L2. Donc, X-, c'est 2X- dans ce cas. Donc, là, c'est-à-dire, dans l X dans ce cas, c'est la neutralité électrique. D'accord Mais qui trouve les réactions, donc le rôle de c'est la neutralité électrique. Donc, il s'agit d'un électrode constitué par un métal 1, plongeant dans une solution d'un sel M ⁇ en X le contre-ayant X- n'est pas réactif. Quand le c'est un contre-ayant ou bien c'est un ayant spectateur. Donc, il assure simplement l'électroneutralité de la solution. Donc, dans le dialogue, c'est l'électroneutralité de la solution. Donc, un exemple en général, c'est-à-dire, un métal M, d'accord, plongé dans une solution, contient la forme OX M et plus plus X-. Donc, le rôle de X-, c'est un ion spectateur ou bien s'appelle contre-ion. Donc, la réaction, qui entre Mn+, et Mn. Donc, soit à tout cas, oxydation, soit à tout cas, la réduction. Dans ce cas, on accepte la réaction de réduction. C'est-à-dire, Mn+, plus N électrons, va donner M. Donc, par exemple, on a Fe avec Fe du « plus ». C'est un électrode de premier type. Zn avec Zn du « plus ». CU avec CU du plus. d'accord Ce sont des électrodes de première type. Donc, pour, pour premier type, quand on Wada, à on Il y a une flippe électrochimique, est de la chimie dissolution, des électrodes de première type. On passe à l'électrode de deuxième type ou bien de deuxième espèce. Donc, là, les électrodes, en général, forum, ou on a vous donner la définition et on va essayer de l'expliquer. Donc, il s'agit d'un électrode, d'accord, constitué par un fil d'un métal M en contact d'un de ces sels, d'accord Donc, par exemple, c'est le verre, d'accord Donc, on a ici un fil d'un métal, d'accord donc en contact d'un de ce sel peu solide, c'est-à-dire à, à l'intérieur un a le sel, d'accord? Donc plongé dans un solution qui contient l'anion de ce sel, noté, donc noté pour la notation donc, on a un fil de le Donc, un dun métal N. L'intérieur, on dit le sel MXN, d'accord. Par exemple, CU, euh, d'accord. Et à l'intérieur, on a SiU et sous 4 d'accord. C'est-à-dire c'est un sel Cu et sous 4. Plonger de la solution indique le contre-ion diel. Donc le contre-ion floca diel x x moins floca diel c, c 4, c s o 4 moins. D'accord. Par exemple un autre euh, type, euh, par exemple euh, donc euh, hg donc un fil de d'argent. D'accord. Plongé ou bien à l'intérieur on a un sel hgcl plongé dans une solution contient le contre-ion cl moins. Donc floca do indique le contre-ion qui trôleifie les réactions. Ça, c'est la différence entre l'électrode de premier type et deuxième type. Ou une autre différence, c'est qu'à l'intérieur, j'ai un sel comme pour la solution saturée. D'accord Donc, par définition, il s'agit d'un électrode constituée par un fil d'un métal M en contact d'un... D'un... Si c'est... Donc... Ça, ça, ça. Ça, d'un de ces sels peu solides plongés dans un solution contient l'anion de ce de ce sel notez M M X, -N, X donc M c'est le métal Mxn, c'est à dire le sel à l'intérieur et X c'est le contre ion au sein de la solution donc la réaction dans ce cas global où est la réaction pour c'est à M -X -N, donc c'est à dire le sel

de, de la solubilité de ce sel ou l'assemblon dialon qui youssouloni le de la réaction donc un exemple 1 on va considérer par exemple Ag AgCl Cl- donc c'est un électrode de deuxième type d'accord donc les électrodes de deuxième type, en général, utilisées comme des électrodes de référence. D'accord Donc, le laboratoire, les de la force électromotrice de la pile delta E par rapport à un référence. Donc, AG, AG, CL, CL-. Donc, par parfois, il les Labo. D'accord Donc, théoriquement, utilise l'électrode à gaz, les H plus H2. D'accord les labos concernent le Hg, Hgcl, ou bien l'électrode de canomèle saturée. Donc, si par exemple, on écrit la réaction globale, c'est AGCl plus un seul électron va donner AG plus Cl moins. Le deuxième exemple, par exemple, Cu, Cu4, SO4 de moins. D'accord? Donc la réaction globale, c'est MXN. Dans ce cas, c'est le Cl CUSO4, plus deux électrons, va donner Cu plus SO4 de moins. Donc, ce sont des électrodes de premier type, ou bien de première espèce. Donc, premier et deuxième espèce. Donc, ce sont des électrodes de deuxième espèce. Électrode de troisième type ou bien de troisième espèce. Donc, on va regarder la définition de électrode de troisième type. Mais d'autres définitions de troisième type donc il s'agit d'un électrode constitué par un métal M donc en général inattaquable c'est à dire plongé dans une solution qui contient à la fois la forme ox et à la fois la forme red c'est à dire le métal par exemple inerte, par exemple le platine donc le platine cehbe, c'est une équivalence donc qu'est-ce pour les électrodes de troisième type. Le rôle d'ielo, c'est-à-dire les électrons à l'interface électrode-solution, parce qu'il y a les changements d'iel les électrons, d'accord Donc il s'agit d'un électrode constitué par un métal M inattaquable plongé dans une solution qui contient à la fois la forme ox et à la fois la forme red, d'accord C'est-à-dire Donc en général, un équilibre métal. M, donc plongé dans un solution contient la forme ox plus la forme red. Donc, la forme ox, par exemple, euh, par exemple ZN, Zn4+, et la forme red Zn du plus, dans ce cas, avec le platine, par exemple. Dans ce cas, le changement des électrons entre Zn4+, et Zn du plus. Un autre exemple, Pb4+, Pb du plus, de la même façon, c'est-à-dire changement électronique entre Pb4+, et Pb du plus. Donc, la réaction se fait entre l'ox et le c'est ox plus un électron. Équilibré va donner le RED, c'est-à-dire soit oxydation, soit la réduction. Donc, un exemple, on va considérer, c'est-à-dire, une lampe de platine, de l'électrode de platine, donc plongée dans un solution contenant la forme ox Fe de plus, plus la forme RED, Fe de plus. Donc, c'est Fe3, et la forme euh, ox RED, c'est Fe de plus. Donc le changement électronique se effectue entre Fe3, et fe cest c'est-à-dire Fe3, plus, plus un seul électron, va donner fe de plus. Donc le rôle de RED bien, dans la vidéo le plus important, c'est ne sais les électrodes par définition, puisque quand même ces deux-là, avoir une chaîne électrochimique, c'est-à-dire identifier, c'est-à-dire la pile dielle et les constitue par quoi. D'accord C'est première des choses, les canaux fait l'explication d'y aller. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, la partager avec les autres étudiants et laissez-moi un commentaire et courage à tous.